Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le lundi, c'est unboxing. Et on fait unboxing avec la boutique Paint Somewhere. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit accessoire broderie que vous avez déjà vu, hein, mais j'aime bien en avoir d'avance. Un kit de broderie, voilà. Alors, normalement, c'est en point compté, mais je ne suis... Ah non, 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 je crois qu'il m'avait renvoyé un message et que c'était pas en point compté, mais c'était en estampé. Enfin, c'est rien, on va regarder, on va l'ouvrir, on verra. Et deux DP. Alors, je vous montre tout de suite le petit... Oh, mais j'ai oublié d'allumer. Je me disais... Voilà, c'est un petit peu mieux. On va baisser. Ah non, si j'appuie sur le plus, ça ne va pas. Voilà. Du coup, je ne sais plus que j'y ai. Oui, on va commencer par le petit accessoire. Mais de toute façon, vous l'avez déjà vu. Parce que j'en prends régulièrement. Et j'aime bien en avoir d'avance. Voilà. Parce que à l'allure où je brode, j'use quand même des aiguilles. Donc, un petit pot d'aiguilles. Alors, normalement, ce sont des numéros 24. Alors, je ne sais plus combien il y en a dans le paquet. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Voilà. Hop, je vais remettre les autres. Je vais en garder une. Et je remets les autres dans leur petit. Ça, c'est pratique, ces petits pots. Voilà. Hop. Bon. C'est une aiguille. Hein. Voilà. Rien de transcendant. Mais ça va. Elle n'est pas trop pointue. Ça, j'aime bien parce que quand on fait... Aïe! 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 Les bouts de doigts. Toujours en train de se piquer les bouts de doigts. Alors, j'ai essayé avec le sparadrap, là. Vous savez, qui se colle tout seul, là. Ça m'énerve. Il y a un truc, là, sur le bout du doigt. Des dés. Pas le petit cochon, hein. Les dés. c'est pareil. J'arrive pas à avoir quelque chose sur mes doigts. Moi, il faut que je sente la matière. Donc, du coup, je sens les pointes d'aiguille. Et ça fait mal. Ça fait bobo à la fin. Voilà. Mais ça va. Elles sont top. Elles tiennent le... Ça y est, je l'ai déjà perdu. Non. Oui. Alors, ça aussi, je perds beaucoup mes aiguilles, des fois. Et... J'ai fait tomber le bouchon. Oh, attendez, il revient. Voilà, Gaston Lagaffe du lundi. Ouais, je fais souvent aussi tomber mes aiguilles. Alors souvent, des fois, le soir, je brode dans le fauteuil. La journée, je brode à mon bureau. Mais j'ai les paniers des chiens à mon fauteuil, un de chaque côté. Alors quand Chouchou, il voit que je panique, les chiens, ton aiguille, oui. Parce que bon, c'est vrai, moi aussi, il a peur qu'ils attrapent l'aiguille. Mais des fois, je la retrouve pas tout de suite. Et ça va, jusqu'à maintenant, j'en ai pas encore retrouvé dans les paniers des chiens, mais bon, ça va. Donc, entre les aiguilles perdues, les aiguilles cassées, les aiguilles usées, j'aime bien en avoir toujours d'avance. Ensuite, on va se mettre face bureau pour regarder la suite. Je vais vous montrer la broderie et les DP. Voilà, alors c'est un DIY cross stitch. Mais bon, ça, je voulais l'avoir en deuil Sunday, mais je ne l'ai pas trouvé. Cette broderie ne va pas être pour moi. Elle va être pour ma belle-fille. C'est elle qui l'a choisie. Donc voilà, les deux minous qui se font des bisous. Tout fleuri avec le petit papillon. Là aussi, il y a un petit papillon. Alors, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. oh là 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 là
Il y avait longtemps. Il me dira, il y avait longtemps que j'avais pris du DIY cross-stitch. Hein. Bon, vous avez compris. Hein. Et c'est une 40-50. Hein. Alors, je vous montre, hein, mais bon, voilà. Là là. Ouais, je crois que ma belle-fille va pas le faire hein, parce que mais il va rien ressortir de ce truc. Regardez. La fleur là, attendez, je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez mieux. La fleur, la blala. Alors le papillon, bon, il fait la tronche, hein, le papillon. Les fleurs qui sont là. Alors là, il y a un papillon. Hein. Cherchez-moi le papillon ici. Voilà, là-dedans, il y a un papillon. Excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Mais alors, par contre, les couleurs sont vraiment top. Voilà, les couleurs sont très jolies. Mais bon. Voilà, donc c'est un estampé. Mais. Oh là 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 là. Oh non. Alors, les boutiques, par pitié, mettez que. Parce que maintenant, je sais qu'ils des fois, ils font par marque. Mais DIY cross-stitch, ils ne le marquent pas. Mettez que c'est du DIY cross-stitch. Regardez, regarde là. Regardez là. Il y a le papillon sur la fleur. Je vous zoome. Je vous zoome. Voilà. Là, il y a un papillon sur une fleur. Non. Non, 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 non. Vous savez que j'ai l'habitude de dire, je vais pas dire, oh, c'est beau, ah, c'est top, parce que je l'ai eu gratos. Non, je l'ai eu gratos, c'est du partenariat. Moi, je dis ce que je pense et je dis qu'il est nul. Voilà. Ouais, non, c'est. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris du DIY cross-stitch. Et là, j'ai choisi le modèle parce que c'était pour ma belle-fille. Elle veut absolument ce modèle. Mais non. Non, 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 non. En plus, c'est du 11CT, ça. Ouais, c'est même pas marqué, mais c'est du 11CT. Donc, ça. Ah, bah tiens, la fifi. Non. Bon, il y a 23 couleurs. Mais je ne vous le montre pas plus. Parce que il est vrai, il est vraiment pas top, top, top. On voit bien, on voit quand même qu'il y a une tête de chat, hein. Mais tous les trucs de, on verra pas les fleurs. Non, on ne verra pas les fleurs. C'est pas la peine. Voilà. Donc le patron. Même si, alors, vous voyez, même si on voudrait laver, parce que ma belle-fille maintenant ne fait du point compté, elle est comme moi, maintenant elle ne veut plus faire d'estampé. Si je lui lave la toile et qu'elle veut le faire en point compté, non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous montre quand même les couleurs, parce que les couleurs sont jolies. Voilà. Il y a quand même quelque chose de bien dans le truc. Alors, je suis désolée hein, pour la boutique, mais si ma franchise ne plaît pas, tant pis, hein, c'est dommage, mais voilà. De toute façon, je crois que ce dessin existe par le créateur. Je vais chercher. Mais je crois que ce dessin, c'est. Alors, il y en a plusieurs hein, comme ça.
Il y a plusieurs modèles, mais je crois qu'il y a un créateur. Je viendrai vous en reparler. Alors, en plus, donc ouais, c'est du 11 CT, c'est une 40-50 et elle est quand même à 8,99 $. Voilà. Bon, je l'arrangerai après pour éviter de faire du bruit. Allez, on va se consoler avec les DP. Alors, on a en DP. Alors, moi, c'est toujours du 40-30 en perles rondes. Là, on a le petit toolkit comme d'habitude. Et ah bah, elles sont bien rangées, donc je vais pouvoir vous montrer sans les déballer. Donc, c'est des petits sachets zippés avec le diamant. Je vous montre tout de suite les couleurs. Voilà. C'est bien quand c'est bien rangé. Pas besoin de déballer. Donc, il y a des jolies couleurs, vous voyez. Voilà. Et ça pour faire. Alors, j'ai trouvé ça. Oh, c'est pas moi qui les a choisis. Hein, c'est Chouchou. Attendez, je vais. Hop. C'est Chouchou qui les a choisis. Mais alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Hop, je vous dézoome. Je vous remonte. Voilà. Si j'enlève le flash. Ça fera... Oh non, ah non, oula, on va laisser le flash. Voilà. King Kong. C'est King Kong. Avec le drapeau américain derrière. Voilà. Il y a une bonne tête, hein? Vous trouvez pas? Il y a une bonne tête. T'as de beaux yeux, celui-ci. Il est trop rigolo. Voilà. Alors, on a 23 couleurs. Bon, sinon, niveau impression, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, voilà. Et niveau colle, ça colle. Donc, comme je vous disais, il existe plusieurs modèles avec ce thème. Voilà. Hop. Donc, ce petit gorille, voilà, je cherchais, est au prix de 4,99 $. Je remettrai dans le sachet après. Et on a son copain, son petit copain. Hop. On a son petit copain. Donc, pareil, bien rangé. Le petit toolkit. Et on a les perles en sachet zippé diamant. Voilà. Et voilà les couleurs. Donc, oh, j'aime bien quand il ne faut pas déballer. Oui, c'est joli. C'est joli, joli. Alors ça, c'est un 939, je pense. Et j'ai vu un noir, non? Ah non, il n'y a pas de noir. Je crois que c'est un 939. Voilà. Et son copain. Alors, on avait le roi gorille, hein. Et bien sûr, on a le roi lion. Regardez-moi ça. Alors lui, ça m'a fait rire. Quand Chouchou l'a choisi, parce que bon, il y a le drapeau américain, vous ne trouvez pas qu'il a la tête à Trump? Il ressemble à Trump, hein? Avec sa crinière blonde. Ah là là.
Donc voilà. Bon, je sais pas pourquoi il a du rouge là sur le front, mais enfin dessus de l'œil. C'est le trou qu'il a dans le cerveau. Ça part, il y a le drapeau qui repasse. Non, mais il est très joli aussi. Le DP est très épais, hein, donc ça c'est bien. Et pareil, voilà, niveau impression, ben, il n'y a pas de problème. Et niveau colle non plus. Alors celui-là aussi a 23 couleurs. Il est très joli. Voilà. Alors, il est au même prix. Il est à 4,99 $. Alors, je vous dis, si, bon, si vous n'aimez pas le gorille ou le lion, n'hésitez pas à aller voir. Hein, il y a d'autres. Je ne saurais plus vous dire les modèles qu'il y a. Mais il y en a d'autres. Voilà. Eh bien, écoutez, à part ce petit couac pour la broderie, mais bon, on aurait. Comment? On pouvait s'y attendre. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Les DP sont top. Voilà. Et puis bon, les aiguilles, c'est des aiguilles. Moi, je remercie beaucoup la boutique Paint Somewhere. Voilà, toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux. Alors, la prochaine fois, je ferai attention que ce ne soit plus du DIY cross-stitch, par pitié. Joy Sunday, Joy Sunday, Joy Sunday. Voilà. Et il y a aussi, comment ça s'appelle l'autre? Ah, bah mince. Qui sont déjà dans les pochettes plastiques. Bon, enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!